Soyez bénis. Amen. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve en ce jour du dimanche 7 juin 2020 pour partager ce moment de joie à l'occasion des fêtes des mères. Amen. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous donne ici la grâce et la grâce de commémorer et de magnifier les femmes et toutes les mamans en cette période de la pandémie de COVID-19. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je salue le prophète Joël Crasson, notre pape, guide spirituel de l'église Pentecôte, authentique internationale de Côte d'Ivoire et de Paris, pour l'attention qu'il accorde aux femmes et aux mamans en général et de notre église en particulier. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. À l'endroit de Maman Bessora, nous lui souhaitons en ce jour une excellente fête des mères, en lui exprimant notre sincère gratitude et notre soutien inestimable à l'endroit de notre papa. Je remercie également le président Seko, le pasteur Serge, l'évangéliste Joël et tous les bien-aimés ici présents pour leur soutien qu'ils apportent dans l'église. Alléluia. Quant à vous, chère maman dynamique Fepesi, MCA, sachant que mettant des enfants au monde, vous posez là un acte d'amour, de confiance à la vie, acte de foi, acte où se prouve la douleur et la joie, l'angoisse et la paix. Cet acte se traduit à la victoire de la vie sur la mort. Le rôle des femmes s'étend davantage. Elles, car elles doivent entretenir leurs époux, éduquer leurs enfants, apporter une aide financière, morale et même spirituelle au sein de la famille. Amen. Pour terminer mes propos, mes chères mamans, j'apporte des mots d'amour. Maman chérie d'ici et d'ailleurs, je vous souhaite, au nom de l'Église Pentecôte authentique de Côte d'Ivoire, une excellente fête des mères. Shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Amen. Amen. Je vous présente le corps de dimanche qui veut nous démontrer un peu ce qu'ils connaissent. Ils veulent vous faire un récit pour honorer les mamans. Chère maman, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous, les enfants du camp Péniel, voulons offrir un poème suivi d'un bouquet à maman Bessora. Mais à l'absence de son honneur, nous souhaitons remettre ce bouquet à maman Denise. Amen. Amen. Chère maman, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Mes amis et moi, nous voulons vous souhaiter une très belle fête des mères. Si les oiseaux savent voler, moi je sais t'aimer. Si les oiseaux ne savent pas voler, moi je sais. Si les oiseaux savent voler, moi je sais t'aimer. Si les oiseaux savent voler, moi je ne sais jamais de t'aimer. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus charmant, rien n'est plus émouvant que le sourire d'une maman. Amen. Chère maman, je t'aime. Peut-être que je ne te le dis pas souvent, mais au fond de moi, je le pense chaque jour, car tu es plus brillante que le soleil. Amen. Belle comme une rose juste et close. Printanière comme la rosée du matin et... Solide comme les arbres de la forêt et délicat comme un flocon de neige. Tous comme le velours de la pêche et de nous tous, elle est la plus futée. Nous sommes si petits et le monde est si grand. Que serait notre vie sans notre maman? Et simplement, nous voulons te donner 365 bisous. Oh, Jésus! Thank you.
accueil de frère à l'endroit de maman Bessora. Shalom. La voix de quoi, 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 la vo